Salut, c'est Lucia, je suis italienne. Et moi, je suis Juan, le Mexicain de la famille. Et nous sommes les cofondateurs de Chilam. Et l'idée de Chilam est née parce qu'avec Juan, on voulait faire connaître à tout le monde la très bonne gastronomie mexicaine et surtout en utilisant des produits hyper frais et de qualité. Le nom de Chilam, ça veut dire manuscrit de jaguar. C'est pour ça qu'il y a un joli jaguar dans notre logo. Et en fait, ce sont les manuscrits qui ont été écrits après l'arrivée des Espagnols et qui racontent le mythe de la civilisation maya. Chez Chilam, on a fait une synthèse de la gastronomie du sud du Mexique, une cuisine très expressive et très savoureuse. La signature, que c'est la cochinita pibil, à laquelle on a ajouté une petite touche visuelle. On fait l'unique recette de taco national au Mexique, c'est le pastor. Mais aussi, on s'est différencié avec un ingrédient assez inattendu, que c'est la langouste, qui nous a permis de gagner les meilleurs tacos de Paris, les prix aux meilleurs tacos de Paris l'année dernière. On a aussi des recettes comme les moles, comme les pipianes, que c'est à base de graines de courgette. On a les salpicons, recettes aussi typiques, et même on trouve dans la maison des Mexicains. Et nous sommes aux 12 rue des Écouffes, dans le Marais, métro Saint-Paul, et aussi à Grand Contrôle, au 80 rue du Charolais, donc dans cet espace multidisciplinaire et culturel, où nous avons la chance de pouvoir représenter notre cuisine. Il faut venir chez Chilam parce que c'est hyper frais, c'est super bon, et en plus on a gagné les prix aux meilleurs tacos de Paris pendant le Festival Gastronomique Gusto en 2017. Et aussi parce qu'on est super sympa et vous allez passer un bon moment.